Question de Rive permis numéro 29. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. C'est parti, je vais dans la voiture, je vous montre tout ça. Et en attendant, je compte sur toi pour t'abonner et liker, frérot, ça ferait vraiment plaisir. Allez, let's go. Donc toi, tu vas venir ouvrir la clé, mettre le contact. Ensuite, tu vas venir démarrer. Et ce que tu dois venir faire, c'est ouvrir ta porte. Tu ouvres la porte, tu laisses un petit peu ouverte. Alors bien sûr, tu regardes derrière, hein, faut être sûr qu'il n'y ait personne. Commencez pas à ouvrir la porte sans vérifier s'il y a quelqu'un. Et là, vous avez le voyant qui s'affiche. Question sécurité, quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir la portière? Allez, il faut retourner à la voiture. Donc vous allez sortir de la voiture de l'auto-école, l'inspecteur va venir avec vous et vous allez dans une des portes à l'arrière. Tu ouvres la porte, et quand tu as ouvert la porte, tu viens chercher ici là, t'as vu, t'as un petit truc là. Tu vas venir mettre ta clé dedans, et tourner un peu. Et quand tu fermes la porte, en fait elle peut plus s'ouvrir de l'intérieur. Et tu lui dis que tu fais la même chose de l'autre côté. Alors par contre, n'oubliez pas de l'enlever une fois que vous l'avez mis. Question sécurité. Citez trois manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. Vous allez commencer par lui poser une question simple. Est-ce que tu m'entends? Comment ça va? Etc. Pour voir s'il répond. On peut aussi essayer de lui secouer légèrement les épaules. Ah, commencez pas le... C'est vraiment doucement. Et en troisième, pour voir s'il est conscient, vous lui faites prendre... Vous lui prenez ses mains, en fait, vous mettez comme ça. Merde, j'ai oublié qu'il y a une main qui filme. Mais genre, tu mets sa main dans la tienne et tu lui demandes de serrer la main s'il t'entend. Parce que des fois, il peut juste pas parler. Du coup, s'il serre la main, bah, c'est qu'il est conscient.